Le bras de fer continue à Sainte-Rose entre l'Office national des forêts et le syndicat des petits planteurs. Ce jeudi matin, 4 agriculteurs ont été interpellés par la gendarmerie, puis placés en garde à vue. Ils leur est reproché de bloquer la circulation sur une voie publique et d'empêcher les agents de l'ONF de travailler. Les faits se sont déroulés vers 8h au campement des agriculteurs situé route de Blonzac. Deux agents de l'ONF sont arrivés, ils ont échangé avec les agriculteurs mais n'ont pas obtenu l'autorisation d'emprunter la route qui traverse les parcelles. L'ONF a donc appelé la gendarmerie, puis une dizaine d'hommes sont arrivés. Après discussion, ils ont procédé à l'interpellation de 4 membres du syndicat des petits planteurs, dont le vice-président Willy Guyon. Des agriculteurs en garde à vue en cours jusqu'à 2 ans de prison et 45 000 euros d'amende. Ils doivent comparaître devant le procureur de la République demain à 14h30 au cours d'une audience publique au tribunal de Basse-Terre. Des poursuites rapides pourraient être engagées.